je voudrais parler d'un concept fondamental de la psychanalyse, c'est le concept de répétition. Je vais m'appuyer sur le livre de Lacan qui s'appelle « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », principalement sur l'introduction et la première partie. Alors, dans l'introduction, Lacan nous pose une question. Quel statut conceptuel devons-nous donner à quatre des termes introduits par Freud comme concepts fondamentaux, nommément l'inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion? Quel statut conceptuel doit-on donner à ces quatre concepts fondamentaux? C'est la question de Lacan. Donc, il y a quatre concepts fondamentaux d'après Lacan. L'inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion. Moi, je voudrais parler du concept de répétition. Donc, un individu qui suit une psychanalyse ou non est assujetti à une ou plusieurs répétitions. Certaines de ces répétitions sont liées à sa nature, donc des pulsions qui se répètent. D'autres de ces répétitions sont liées à sa personnalité singulière. Et certaines de ces répétitions font symptômes, elles sont symptomatiques. Donc il y a des répétitions de l'ordre de la nature, les pulsions, et puis des répétitions de l'ordre de l'individu, enfin, qui ne sont pas de l'ordre de la nature, qui relèvent de la singularité de l'individu. Lacan, pour nous parler des pulsions dans les... Enfin, de la répétition dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, nous parle du trauma. Freud s'est attaqué à la question du trauma dans Au-delà du principe de plaisir, et il a été interpellé parce que c'était qu'un trauma, parce que c'est une forme de répétition douloureuse. Et pour lui, c'est pas logique que dans l'individu, il y ait quelque chose de douloureux qui se répète. C'est contre-intuitif. Ça l'étonne. Freud est étonné. Pourquoi y a-t-il quelque chose dans l'individu qui insiste? Pourquoi l'individu est-il incapable de mettre à l'écart cette chose douloureuse? Elle passe dans son esprit, mais il y est assujetti. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Pourquoi? Donc la répétition traumatique, elle serait plutôt de l'ordre de la répétition qui tient à quelque chose de la singularité de l'individu. L'individu vit un événement traumatique, ça c'est singulier. Ça se répète. C'est étonnant. Ça se répète dans sa mémoire, c'est étonnant. Et c'est désagréable, ça suscite des affects, du déplaisir. Bon, affect, déplaisir, ça c'est plutôt sa nature. Donc la répétition dans le trauma, c'est quelque chose de contre-intuitif. Ça étonne Freud. Voilà une des formes de répétition. Et donc Lacan nous parle du trauma pour nous parler de la répétition. Et ça doit nous interpeller. Pourquoi y a-t-il quelque chose de désagréable qui se présente dans la mémoire de l'individu, indéfiniment, jusqu'à ce que ça ne se présente plus, ça peut durer très longtemps. Un psychanalyste, un pédagogue, tout un chacun, doit se laisser interpeller par cette répétition.
laquelle une personne n'arrive pas à avoir la liberté de s'en séparer. C'est très lié à la découverte de l'inconscient. On dit que, enfin, une des phrases très connues de Freud, c'est l'inconscient, le moi n'est pas maître en sa demeure, voilà. Le moi n'est pas maître en sa demeure. Il y a quelque chose qui insiste et c'est l'inconscient. Ce quelque chose qui insiste malgré la volonté du moi relève de l'inconscient. Le moi n'est pas maître en sa demeure, nous dit Freud. Et donc ça doit interpeller le pédagogue, le psychanalyste, le tout un chacun. Un individu qui essaye d'éduquer son enfant il va potentiellement buter sur certaines formes de répétition et malgré son acte ça va se répéter. Alors pourquoi? Alors que faire? Alors que faire? Dans les études de Neuberhystérie, les études sur l'hystérie, on voit comment la psychanalyse est inventée. On voit que Breuer et Freud, qui à l'époque utilisent la méthode de l'hypnose, butent sur quelque chose, une patiente, Bertha Pappenheim. Pendant une séance d'hypnose avec Breuer, elle lui dit en gros que ce qu'il raconte Breuer, ça ne la concerne pas, et qu'elle voudrait parler maintenant. Donc là, on est confronté à une personne, c'est Breuer, qui essaye d'intervenir pour un soin psychique auprès d'une patiente, Bertha Pappenheim, et ça marche pas. Et elle dit, laissez-moi parler. Alors il l'écoute. Et Freud se laisse interpeller par ce qui s'est passé et décide lui aussi de se mettre à écouter ses patientes pour venir à bout peut-être de la résistance de la répétition. Ça se répète et malgré l'intervention de l'hypnothérapeute, ça se répète. Donc ça résiste. Donc Freud se laisse interpeller comme son ami Breuer. Il se met à écouter ses patientes. Ses patients. Et donc là, on est confronté aussi à une forme de répétition. Et à la résistance. Et donc on voit la limite de l'hypnose. Le pédagogue qui essaie d'éduquer un enfant. Il va peut-être essayer de lui imposer quelque chose par son autorité de pédagogue. Il va dire, on fait pas ça. Et puis l'enfant va le refaire. Alors il va redire, on fait pas ça, etc. Lui aussi va buter sur une résistance. Et il ferait bien peut-être le pédagogue de faire comme Freud et Breuer. Et de demander à l'enfant, bah, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui produit cette répétition? Peut-être que ce qu'il a produit, c'est que tout simplement l'enfant ne sait pas faire autrement, alors il faut lui apprendre à faire autrement, lui proposer un autre comportement. Arrête de te battre. Si tu as un problème, trouve des façons non violentes pour le régler. Tu peux discuter, tu peux ne plus rester avec la personne. Peut-être que la répétition, par exemple, d'un comportement de bagarreur, elle est causée par une incapacité de faire autrement. Donc il faut peut-être lui proposer de faire autrement. Bon. Ce qui est une intervention autre que celle de l'autorité. Mais peut-être qu'il faut faire autre chose. Je pense à un cas qu'on va appeler K, la lettre K. Le cas d'un enfant vraisemblablement extrêmement désobéissant qui n'en fait qu'à sa tête.
Donc il n'écoute personne. Il porte préjudice à la classe, enfin il... Et l'autorité est sans effet sur lui. On juge a priori qu'il a un problème d'autorité. Si on regarde son comportement à travers la lunette de l'autorité, on va juger qu'il a un problème d'autorité. Et en discutant avec cet enfant, je me suis rendu compte qu'en fait il était fan de caméra cachée et que ce qu'il faisait dans la vie, c'était ce qu'il voyait dans ses caméras cachées. Il croit un peu que la vie c'est une caméra cachée et donc il essaye d'être drôle. Sauf que dans le contexte de l'école, c'est perçu comme de la désobéissance. Et alors en discutant avec lui, je lui ai fait remarquer que la caméra cachée, ça s'exerçait dans un contexte bien particulier, qu'il y avait un feedback auprès des personnes qui avaient été piégées à la fin de la caméra cachée, etc. Et ben ça, ça a été efficient. Ça a entraîné une transformation chez lui. Donc il avait la clé de sa répétition. Et c'est pas un simple problème d'autorité, c'était un imaginaire que personne ne voyait et qu'il fallait déceler. Alors là, on est sur une répétition qui ne le concerne que lui. C'est pas du tout la répétition des pulsions. On n'est pas sur de la pulsion. Pardon. On n'est pas sur de la pulsion, on est sur son imaginaire personnel. Donc qu'est-ce qui se répète ? La répétition doit interpeller le pédagogue, ou tout un chacun, évidemment le psychanalyste. C'est intéressant pour une personne qui fait une psychanalyse d'essayer de prendre une espèce de distance vis-à-vis de ce qu'elle dit, pour repérer la répétition dans son propre propos, la nommer, et puis avancer à partir de là. Elle peut peut-être repérer que c'est une pulsion de l'ordre de sa nature qui se répète, pulsion de destruction, pulsion, d'accord. Et elle peut peut-être repérer qu'il y a un autre type de pulsion de l'ordre de sa singularité, de son fantasme, ou de son... Que ce soit... une répétition de l'ordre de la nature ou de l'ordre de sa singularité, la repérer, ce sera toujours un moyen d'avancer. Ok. Alors. D'avancer comment ? Eh ben, dans une forme de temps logique. On est confronté, pour avancer, ce dont on a besoin, c'est du temps logique. C'est le temps logique de l'individu qui va faire avancer la situation. Donc, dans la partie qui s'appelle du sujet de la certitude, les quatre conseils fondamentaux, Lacan nous parle du temps logique, il en a parlé aussi dans ses écrits, mais là c'est très concis, c'est... Le temps logique est constitué par trois temps. D'abord, l'instant de voir. Ensuite, le temps pour comprendre. Enfin, le moment de conclure. Trois temps. Prendre de la distance vis-à-vis de ce qui se dit dans un divan ou dans ce qui se passe dans une situation pédagogique. Ou... C'est, disons, le premier moment, l'instant de voir. Prendre de la distance, on repère la répétition. On est dans l'instant de voir. Ensuite, il faut comprendre. On a vu quelque chose, il faut le comprendre. Il y a un comportement d'un enfant qui s'appelle un handicap. L'autorité ne parvient pas à changer ce comportement. On a repéré une répétition. On a compris que l'autorité était sans effet. On a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est les caméras cachées qui te motivent, ok. Vient un moment pour conclure, le troisième temps. Eh bien oui, la caméra cachée, ça s'exerce dans un contexte particulier, c'est pas celui de l'école, il y a des feedbacks,
on rigole pas des personnes, on essaie de rigoler avec les personnes. Donc, il faut mettre une limite à la blague. Et cette interprétation, elle marche. Elle entraîne une transformation. Un temps pour voir, un temps pour comprendre, un temps pour conclure. L'hypnose ne marche pas avec Bertha Pappenheim. Ça, c'est l'instant de voir. Elle se met à parler. Ça donne le moyen de comprendre, le temps de comprendre. Et ça permet d'aboutir à des conclusions. Un temps pour voir, un temps pour comprendre, un temps pour conclure. L'individu, il est soumis à un temps logique. Mais c'est peut-être très long. Le trauma, par exemple, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Alors on le voit, on voit la répétition. On peut même la comprendre. Mais pour s'en dégager, s'en détacher, pour conclure, bon, là c'est quelque chose qui peut être très très long. La répétition produit énormément de résistance, c'est quelque chose sur quoi on bute, et certaines sont encore plus dures à surmonter que d'autres. Quoi qu'il en soit, pour les surmonter, il faut en passer par un temps logique qui passe par un instant de voir, un temps pour comprendre, un moment de conclure. Et ça, il va peut-être falloir le répéter, ce petit circuit, jusqu'à ce que l'individu puisse faire autrement. D'accord. Donc le concept de répétition. Lacan l'appelle aussi automaton. C'est un terme qu'il prend chez Aristote dans sa physique, la physique d'Aristote. Dans la physique d'Aristote, d'ailleurs, Lacan prend aussi le terme de touquet, qui est la rencontre. Et touquet et automaton entretiennent un lien. La répétition et la rencontre. La rencontre de la répétition. On se rend compte de la répétition. Alors on peut voir, comprendre et conclure. Voilà. Et donc, conclure qu'il faut peut-être renoncer à l'hypnose ou à l'autorité. Bah pour discuter et passer de autre chose que l'autorité à l'interprétation. L'hypnothérapeute, il est aussi dans l'autorité. Freud, dans technique psychanalytique, il se réfère à une référence de Léonard de Vinci et puis nous dit que Léonard de Vinci, pour parler de la peinture, a dit, ben voilà, la peinture, il s'agit de mettre de la peinture sur la toile, la sculpture, il s'agit d'enlever de la pierre, de la pierre, de la pierre. On couvre la toile jusqu'à ce que le tableau apparaisse, on enlève de la pierre jusqu'à ce que la statue soit apparaisse, ok. L'hypnose, nous dit Freud, c'est comme la peinture. On met des couches et des couches et des couches et des couches et des couches sur la toile. Et l'autorité, c'est un peu la même chose. La psychanalyse, nous dit Freud, ça marche pas comme ça. On demande à la personne, on parle avec la personne, et on enlève plutôt des morceaux de pierre, des morceaux de pierre, des morceaux de pierre, jusqu'à ce que la statue apparaisse, c'est-à-dire on enlève les fantasmes. Donc l'hypnothérapeute ou le pédagogue, voilà, ils mettent des couches et des couches et des couches sur la toile. Ils seraient bien inspirés peut-être de se taire, de demander ce qui se passe, pour voir quoi enlever. Donc plutôt que d'être dans l'autorité de celui qui dépose sur la toile, être dans la collaboration de celui qui propose une interprétation. C'est pas dans l'autorité, on propose une interprétation, c'est assez différent, on collabore, on est en relation. Quelqu'un dit quelque chose, on lui répond, on discute, et dans la discussion, quelque chose peut entraîner un changement. Ça opère comme une interprétation. Le temps logique a changé.
c'est devenu logique. Genre. Il y avait un problème de logique. Et là, ben, on a élucidé le problème logique. Genre, tiens, je peux faire à l'école comme si c'était dans une caméra cachée. C'est un problème de logique. La caméra cachée, c'est quelque chose. Ça peut même être un métier, un art, et ça existe, mais dans un certain cadre. Là, c'est une mauvaise. C'est mal appareillé. Les choses sont mal appareillées. C'est pas la logique de l'école. Bref. D'accord. Donc renoncer potentiellement à l'autorité de l'hypnothérapeute, du pédagogue, pour être dans la coopération entre deux individus qui font avancer leur temps logique mutuel par un propos qui peut être de l'ordre de l'interprétation pour venir à bout de la répétition. Ok. Ce qui pourrait aider à faire cela, c'est qu'un transfert soit noué avec, disons, l'individu qui interprète. C'est un autre sujet. C'est un des concepts fondamentaux dont on a parlé, le concept de transfert. On en parlera certainement à l'occasion. Donc je vous remercie pour votre attention. Voilà. Je vous dis à bientôt.